archive. Tu m'as l'air vraiment perdu dans tes pensées. Tellement tu écoutes le coupé décalé. Tu comprends quand même quand je parle ou pas? Ça me rassure. Il y a que Vité, tu venais, je ne sais pas d'où, tu ne parlais pas du tout français. Tu étais comme ça. Ah d'accord, tu écoutais quoi alors? Tu écoutais quoi alors? Des chansons espagnoles. Ah ouais? Mais t'es pas espagnole, toi. Non, t'es, je sais pas. T'es marocaine. Ah ouais? Voilà. Non, algérienne. Si tu dis. Et moi, tu dirais quoi? Si tu rates, tu me perds. Et tu es déjà sorti avec un Renoir? Quoi? Et tu es déjà sorti avec un Renoir? Non. Non? Non ou oui? Non. Ah d'accord. Bon. Mais j'avoue quand même que j'aime bien te voir réfléchir. Hein. Ouais. Merci. C'est déjà, ouais, tu deviens cute, tu deviens adorable. Merci. Et tu fais quoi à Paris alors? T'es toujours comme ça? Je pense que oui. Ah d'accord. Bon, de base, tu es de nature très posée. Ça dépend. Et on dirait même en plus que tu as des yeux tout noirs. Ils sont marrons, ils sont noirs. Marrons. Ah d'accord. Mais là, ils sont vraiment en mode... Tu penses n'importe quoi. Tu veux pas marcher juste un tout petit peu? De toute façon, je vais te laisser dans pas longtemps. Attends, je te propose rue de Rivoli. Tu vois, c'est quoi rue de Rivoli? Alors là, non. Viens, c'est comme ça. De toute façon, reste pas loin d'ici. Tu vas adorer. Ah non, mais c'est toi qui te Ce que tu veux faire plus tard, il y a 1000 métiers. Ok, coiffeuse, parce que je vois tes cheveux sont vraiment soigneux et tout. Tu as appris les maths pour calculer la tangente entre le peigne et les cheveux. Je vais t'orienter après. C'est pas mathématiques en premier. Après, ça dépend des écoles, mais moi, je dis que c'est pas mathématiques en premier. Ok, c'est super cool. En plus, moi, petit, tu vois, je te jure, j'ai longtemps pensé faire l'architecture. Parce que dans ma petite tête de gamin, je me disais que l'architecture, c'est juste dessiner de très beaux immeubles, tu vois. De dessiner de très belles maisons. Du coup, je passais le temps à dessiner des maisons et tout. Avant de me rendre plus tard compte que c'est très tourné informatique actuellement. Avec les logiciels, pas mal de trucs. Et du coup, tu fais informatique? Non, je faisais informatique. Si? On est dans un jeu, t'as oublié. Et actuellement, j'ai plus de points. Et actuellement, j'ai plus de points que toi, je te rappelle. Si. Je n'aimais pas forcément ce que je faisais. Parce que l'informatique, en fait, c'est un domaine très, très routinier, en fait. C'est la même chose tout le temps. Et moi, je n'avais pas forcément besoin de ça. Du coup, je fais du montage vidéo. Donc, je suis plus dans le domaine marketing, en fait. Ouais. Tu as déjà marché sur les quais ou pas? Oui. Ah, tu es du style à être en avance au rendez-vous, toi. J'aurais dit le contraire. Ah, parce qu'aujourd'hui, tu as fait des efforts, à vous. Aujourd'hui, tu as fait des efforts de Paris en retard. Tu t'es préparé tôt. Tu as mis ton petit manteau rouge de chez Louis Vuitton. Louis Vuitton, hashtag Zara. Ok, j'ai pris note. Je vais discuter avec, avec ma secrétaire si tu mérites que je te revoie. Tu vois. Voilà. Elle va me dire en fonction de tes critères, une fille qui est active, tu vois. Une fille qui est active, entreprenante, parce que tu veux faire de l'ingénierie. Et qui prend bien soin de son style. Donc je pense que c'est... Sans oublier que ça va, tu m'as l'air cool. Tu m'as l'air, tu vois. À vérifier encore. Je t'ai fait un check. Je dois me sentir offensé là. Tu as quand même oublié ce que je te disais. Non, je disais que si tu avais quelque chose de personnel, tu l'aurais dit. Ouais. Ça, c'était un peu avant, mais bon. Ouais, je te disais, on parlait d'art en fait. Ah ouais. Ouais, je te disais que... pas loin d'ici, il y a une exposition. En fait, c'est un immeuble à peu près comme celui-ci, où il y a des artistes qui ont squatté, d'après ce que je sais. J'avais lu un article là-dessus qu'ils ont squatté. Maintenant, l'immeuble les appartient. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils exposent leur œuvre. Et si tu as de la chance, quand tu arrives, tu peux voir un artiste vraiment en train de travailler sur son œuvre, en fait. Donc, c'est pas que de la peinture, il y a aussi de la sculpture, il y a du dessin. Bref, il y a pas mal de trucs. Ouais. Donc, normalement, la semaine prochaine, je comptais aller jeter un coup d'œil.
Donc maintenant que je sais que tu vas m'accompagner, ça va être cool. Et tu penses aller quel jour? On va dire mardi. Alors moi je suis disponible à partir de jeudi à 18h. À partir de jeudi 18h. Ok, je vais discuter avec ma secrétaire pour voir si j'ai de l'espace dans mon agenda, d'accord? Je profite pour vous dire que si toi aussi tu aimerais apprendre à faire de réelles rencontres, apprendre à aborder et séduire des filles qui te plaisent vraiment, que ce soit dans la rue ou autour de toi, je t'invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher juste en bas de l'écran. Je sais que beaucoup d'entre vous sont réticents parce qu'ils se disent que les coachings ça vaut un bras. Non, mes coachings sont vraiment accessibles et ça fait déjà un bon moment que j'accompagne des hommes sur le terrain à pouvoir dépasser leur peur de l'approche, à pouvoir devenir moins timide, à pouvoir séduire, aborder et séduire des filles qui leur plaisent vraiment. L'avantage c'est que chacun de mes coachings est personnalisé et je ne suis qu'avec un seul élève. Donc j'ai vraiment le temps de m'attarder sur tes problèmes, d'examiner tes problèmes et de t'apporter les meilleurs conseils possibles qui sont vraiment personnalisés, adaptés à toi-même. Je sais que beaucoup de coachs actuellement, durant des sessions de coaching, se retrouvent avec 5, 6, 7, 8, 9, souvent même 10 élèves. Et c'est l'avantage que j'ai en fait. Je suis avec un seul élève. Du coup, je peux que lui donner le meilleur service possible. Tu me vois le faire, donc je suis vraiment avec toi, je te tiens par la main, donc c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc n'hésite surtout pas à m'envoyer un mail et je prendrai contact avec toi très vite, que je puisse voir comment je peux t'aider.